Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours est la correction du quiz qui teste les connaissances des bases des échecs. Alors si vous n'avez pas encore réalisé ce test, je vous invite à commencer par là. Pour ce faire, mettez fin prématurément à cette vidéo. Vous allez donc arriver sur un écran qui ressemblera à celui-ci. Je vous invite à cliquer sur mon prénom sous la vidéo. Vous aurez alors l'ensemble de mes soumissions sur le site, parmi lesquels, dès qu'ils seront terminés d'enregistrer et que je les aurai mis en ligne, le test ainsi que sa correction, qui seront probablement sous les autres vidéos d'échecs. Ce test s'appelle Échecs débutants, quiz, tester votre connaissance des règles. Voilà, je vous invite à commencer par là et à revenir sur cette vidéo pour la correction. Si vous avez déjà répondu au quiz, voici donc la correction. On va commencer par une liste de toutes les réponses. Voici donc une liste rapide de toutes les réponses aux 10 questions. Je vous laisse comparer avec vos propres réponses. N'hésitez pas à faire pause pour disposer d'un peu plus de temps pour la comparaison. Le slide suivant va vous donner la liste des horaires dans la vidéo où vous pourrez retrouver les réponses à chaque question si vous voulez en sauter certaines. Voilà, même chose pour cette diapositive. N'hésitez pas à faire pause pour noter les horaires des corrections qui vous intéressent. Sinon, on va débuter la correction. Nous allons pour cela reprendre le fil de la vidéo. Donc, première question. Le problème concerne le positionnement des fous et des cavaliers. Vous voyez, le cavalier doit être à côté de la tour et le fou à côté du couple royal. Hein, le fou du roi, le fou de la dame. Donc j'avais bien demandé aux joueurs de bouger ces pièces pour que vous vous rendiez compte que leur positionnement était vraiment erroné, qu'on ne peut pas ouvrir un cavalier ici. Donc le cavalier, les cavaliers doivent être ici et ici, ici et ici à côté des tours, et les fous devraient être sur les colonnes C et F. Ce qui n'est pas le cas. Voilà quel était le problème pour cette première question. Pour la seconde question, c'est l'échiquier qui est mal tourné. Vous voyez, la case en bas à droite est noire. Elle doit toujours être blanche. C'est le point de repère qu'on a. Donc là, la dame était bien sur la quatrième colonne, ce qui est bon, mais ce qui est erroné, vous voyez, c'est qu'elle est pas sur sa couleur. Si la case ici avait été blanche, évidemment la case ici aurait été blanche et l'échiquier aurait été bien tourné. On peut le voir grâce à la graduation hein, qui donne une indication sur ce type d'échiquier. Donc voilà, la dame noire c'est pareil, elle aurait dû être sur cette case noire, enfin sur une case noire, en l'occurrence celle-ci, puisque l'échiquier, la graduation aurait dû être tournée de 90 degrés. Voilà quelle était l'erreur sur cette question numéro 2. Pour la question numéro 3, là les joueurs jouent correctement. Mais la petite subtilité, c'est qu'on voit que la partie n'avait pas débuté et que le premier joueur à avoir le trait à jouer est le noir, ce qui est erroné. Hein. La convention veut que ce soit les joueurs blancs qui débutent une partie. Donc voilà quel était le problème. Question numéro 4, donc la petite question théorique. Souvenez-vous-en, si la dame noire est en position de prendre mon cavalier blanc au tour suivant, dans quel cas le cavalier blanc peut-il également prendre la dame noire? Donc la réponse là c'est aucun, bien sûr, dans aucun cas le cavalier blanc ne peut prendre la dame s'il est lui-même en prise par la dame. La raison est très simple, voici le champ d'action d'une dame sur un échiquier réduit de 5 cases par 5. Vous voyez, toutes les cases bleues sont les cases dans lesquelles la dame peut se déplacer, en ligne droite comme une tour ou en diagonale comme un fou. Et bien le cavalier, lui, il peut se déplacer dans les 8 autres cases. Hein, c'est ça la caractéristique du cavalier. Et vous voyez, ces cases-là qui sont pas, la dame ne peut pas prendre, mais le cavalier peut les prendre. Donc évidemment, si le cavalier est dans une des cases où la dame peut le prendre, eh bien la dame ne sera pas dans la case et vice-versa. Pour la question numéro 5, revenons à la vidéo. Donc c'était la question des ouvertures. Alors quelle ouverture est valide? La première, c'est un pion qui avance de deux cases. Ça, c'est une ouverture qui est parfaitement valide. La seconde, ce sont deux pions qui avancent d'une case. Ça, c'est une ouverture qui n'existe pas. Hein. C'est une règle que certains joueurs appliquent, que j'ai déjà vu appliquer, mais qui n'est absolument pas une règle officielle des échecs.
pour l'anecdote, ça viendrait d'une mauvaise traduction d'un livre de règles sur les échecs allemands, qui fait que certains joueurs pensent que on peut ou avancer un pion de deux cases ou avancer deux pions d'une case. Eh bien non, on peut juste avancer un pion de deux cases. Donc la deuxième ouverture était parfaitement erronée. La troisième par contre est bonne, hein, on n'est pas obligé d'avancer de deux cases, on peut très bien avancer d'une seule case au départ, ces pions. La quatrième ouverture est bonne également, le cavalier peut se déplacer en sautant les pions, et donc il peut ouvrir. Par contre le fou lui ne peut pas sauter un pion, donc la dernière ouverture était erronée. Pour la question numéro 6, qui concernait des situations d'échec, on demandait lesquelles pouvaient être interrompu par le déplacement de cette tour qui viendrait s'interposer entre la pièce qui met en échec et le roi. En effet, on n'est pas obligé de bouger le roi en cas d'échec, on peut interposer une pièce. En effet, si la tour vient ici, vous voyez, la dame ne met plus en échec le roi, donc le cas 1 était possible, le cas 2 c'est exactement le même en fait, hein, c'est la tour mettait en échec sur la même ligne, donc la même interposition était possible. Là, c'est le cas numéro 3 qui n'est pas possible, toujours pareil, hein, c'est toujours le cas spécifique du cavalier qui lui peut sauter les pièces, qui se déplace directement en un bond, donc là la tour peut bien être où elle veut. La seule manière d'éviter un échec d'un cavalier de toute façon est de prendre ce cavalier, si ce n'est pas possible, de bouger le roi. L'interposition n'est pas possible. Par contre pour le dernier cas, pour le fou, mais là c'est pareil, il fallait juste mettre la tour ici évidemment le long de la diagonale, mais c'était possible de l'interrompre. La question numéro 7 concernait la prise en passant. Donc, celle-ci est valide, hein, c'est la définition même de la prise en passant. Un pion avance de deux cases, un autre le prend pendant qu'il passe, puisqu'en fait le pion ne saute pas, mais se déplace, si on veut, hein, d'une case puis d'une autre case, et pendant qu'il est ici, on dit que ce pion peut le prendre. Donc, le joueur joue de deux cases, mais son adversaire peut le prendre quand il passe, d'où le nom prise en passant. Par contre, cette règle est réservée au pion, ce qui fait que cette prise en passant imaginaire n'existe absolument pas. Hein. C'est uniquement un pion qui peut en prendre un autre quand il passe, mais une autre pièce ne peut pas le faire. La question numéro 8 était elle consacrée au roc. Alors les deux rocs sont erronés. Le premier roc, un petit roc, ici, qui a l'air bon, enfin évidemment on considère que les pièces n'ont pas bougé avant, hein, parce qu'on peut pas roquer si le roi ou la tour ont bougé. Mais là, en roquant, pareil, le roi passe par ici, il passerait en échec, il aurait été mis en échec pendant qu'il passe par la dame, et donc il ne peut pas passer. On ne peut pas roquer si on est en échec au départ, à l'arrivée, ou sur la case intermédiaire, c'était un petit piège. Et l'autre roc, le grand roc, n'est pas valide. Là, il n'y a pas de situation d'échec, mais c'est juste le mouvement qui est erroné. Pour faire le roc correctement, le roi bouge de deux cases et la tour vient se placer juste à côté de lui dans les deux cas. De case 1, là, c'était les mouvements étaient bons. C'est la situation qui est fausse. Mais là, le roi aurait dû se placer ici et la tour ici. La question numéro 9, c'est une situation assez simple. Une situation où il ne reste plus qu'une tour d'un côté et les deux rois de l'autre, et là on a une situation qu'on appelle de patte, d'égalité, hein, à savoir que on précise dans l'énoncé que c'est les blancs qui doivent jouer, or les blancs ne peuvent pas jouer, ils peuvent pas se mettre au contact du roi ni en échec volontairement, et donc ils sont incapables de jouer, mais ça ne donne pas la victoire aux noirs qui ont assez mal joué, ça ne donne pas la victoire aux blancs évidemment, mais c'est une situation d'égalité, on appelle ça une partie nulle. Et enfin la dixième question, un peu plus compliquée, donc j'ai répondu directement avec l'échiquier. Le pion noir, arrivant sur la ligne 1, c'est-à-dire la dernière, est promu. Contrairement à ce que pourrait faire penser l'expression « arriver à dame », qui est erronée pour les échecs, le joueur noir n'est pas obligé de transformer son pion en dame. En effet, s'il le faisait, il serait dans une situation d'égalité, de patte, puisque le joueur blanc a son roi qui n'est pas en échec, mais il n'a aucun coup possible. Mais, heureusement aux échecs, on peut choisir la pièce dans laquelle le pion est promu. Et dans ce cas précis, le joueur a tout intérêt à choisir un cavalier, qui lui permette de mettre échec et mat son adversaire. Voilà, ce cours est terminé.
Un dernier petit point, si vous souhaitez approfondir ce qu'on vient de voir et aller plus loin, vous l'avez peut-être remarqué, les questions étaient regroupées par thème. Les questions 1 à 3 concernaient le positionnement des pièces. Si vous avez éprouvé des difficultés, vous voulez approfondir, je vous invite à aller voir ma leçon échec pour débutants numéro 1. Les questions 4 à 6 concernaient le déplacement des pièces. Là, c'est la leçon numéro 2 qui se trouve également sur le site de netprof.fr. Et les questions 7 à 10 étaient concernées des règles spéciales et particulières, comme le roque, la prise en passant, le pat ou la promotion du pion. Ce sont des règles qui ne sont pas indispensables pour débuter les échecs, mais qui sont quand même importantes de connaître. Et pour les approfondir et avoir des explications plus détaillées, je vous invite à aller voir la leçon échecs débutants numéro 3 pour retrouver ces leçons dans NetProf. Après avoir visionné une vidéo, vous cliquez sur mon prénom, Reynald, qui est sous les vidéos. Vous aurez la liste de toutes mes contributions. Ou bien vous passez par le menu jeu échecs. Il est ici. Jeu échecs. Reynald, et vous avez de nouveau ces trois leçons. Échec débutant numéro 1, le positionnement des pièces avec des méthodes pour s'en souvenir. Les règles de déplacement des pièces dans la leçon numéro 2 et des règles plus spéciales et particulières dans la leçon numéro 3. Voilà, merci et à bientôt sur netprof.fr.